Allez, nous partons du côté de Paris avec du côté de la coordination RPG Arc-en-Ciel Europe. Nous avons Monsieur Kramo Nabé en direct. Bonjour Monsieur Nabé, bienvenue. Bonjour à Boakar, bonjour à tous les chroniqueurs. Bien. D'abord un mot sur Madame Condé Adjadjene Kaba, qui a donc rendu l'âme samedi à Paris, à l'hôpital américain. Vous avez connu, côtoyé cette dame, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Et finalement, on en viendra à ce communiqué que vous avez signé, vous de la coordination RPG Arc-en-Ciel d'Europe, un communiqué dans lequel vous n'êtes pas du tout tendre avec le CNRD. Oui, bon, vous savez, la Guinée vient de perdre une dame, en tout cas qui avait l'estime de tout le peuple au-delà de toutes les appartenances politiques. Ça a été vu, en tout cas avec le témoignage même de tous les leaders, des différents partis politiques. Donc, indépendamment de toutes les obédiences politiques, c'est une dame qui savait en tout cas regrouper, qui se battait vraiment pour le peuple. Et donc, je pense que son aura allait même au-delà de la Guinée. Vous avez entendu certainement des témoignages d'autres personnes venant, en tout cas d'autres pays, notamment Koumba Gaoulo, Sek et puis des autres. Donc aujourd'hui, nous venons de perdre une dame qui s'était vraiment investie pour le peuple de Guinée à travers sa fondation Prosmi, à travers tout le travail qu'elle était en train de faire, notamment dans la rénovation du jardin du 2 octobre pour les enfants de Guinée. Yeah. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une énorme perte pour nous et pour le peuple de Guinée et pour notre professeur Alpha Condé. Bien. Et votre communiqué, allez-y. Donc, communiqué, est-ce que c'était nécessaire pour vous, monsieur Nabé, de rédiger ce communiqué dans ces termes en répondant au CNRD qui, malheureusement, n'avait pas cité le nom du président Alpha Condé, époux de Dame Djene Kaba? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de polémiquer autour de la mort de l'ex-première dame de la République de Guinée? Non, vous savez, aujourd'hui, en fait, l'heure n'est pas aux polémiques. Nous avons, en tout cas, l'essentiel, c'est que c'est vraiment plutôt de présenter nos condoléances au peuple de Guinée par rapport à cette perte. Nous, ce qui nous a dérangé, effectivement, dans le communiqué du CNRD, comme vous l'avez tous remarqué, vous ne pouvez pas présenter des condoléances à une défunte sans parler, en tout cas, de son mari. Vous présentez vos condoléances à qui il vaut mieux alors se taire. Et le problème, ce n'est même pas ça. C'est que les gens parlent, en fait, de la réaction du professeur Alpha Condé. Nous, ce qui nous dérange, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, cette dame avait sa fondation qui était au service de la Guinée, la fondation Prosmi. C'est le CNRD qui a mis fin à cette fondation. Aujourd'hui, tous les locaux de la dame-là ont été saisis. Aujourd'hui, cette dame, même les contrats qu'elle avait, tous ces contrats ont été saisis. Vous faites ça à une dame, au-delà du fait que vous avez fait perdre le pouvoir à son mari. Et hypocritement, vous faites un communiqué, et comment dirais-je, puisque cette dame est décédée, et vous ne mentionnez même pas son époux, après tout ce qui a été vécu. Donc nous, il n'y a que ce qu'on a condamné tout. Donc pour nous, il valait mieux ne pas faire de communiqué, se contenter de ça. Et pour nous, le professeur est entièrement dans son droit, c'est sa femme. Donc c'est à lui de dire, comment dirais-je, comment est-ce que l'enterrement doit se faire, les choses qui doivent se passer. Si le CNRD a commencé par lui manquer de respect, je pense que pour nous, il a pas réagi à ça. Il a juste montré à tout le monde vraiment qu'il est un époux responsable, qui est au service non seulement du peuple de Guinée et qui est en droit, en tout cas, de décider de la manière dont sa femme doit être enterrée. Mais qu'est-ce que vous exigerez du CNRD pour qu'il y ait quand même un minimum de communion, que la nation, que l'État puisse en tout cas rendre un dernier hommage à cette dame pour tout ce qu'elle a représenté, tout ce qu'elle a été au service de la nation, au sommet de l'État, aux côtés de son mari? Qu'est-ce que vous exigerez du CNRD en termes de réparation pour que tout cela puisse se passer dans les meilleures conditions, pour que toutes les autorités puissent l'accompagner dans sa dernière demeure à Cancan? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, bon, vous savez, Aboakar, oui, nous n'avons rien à exiger du CNRD. Vous savez, c'est une dame qui était aimée du peuple de Guinée et nous savons que le peuple de Guinée fera en sorte que les cérémonies et les funérailles, en tout cas, de cette dame soient honorables. Vous savez que, en tout cas, c'est une dame qui est rentrée dans l'histoire. Je ne dirais pas que c'est la première dame la plus aimée de la Guinée parce qu'il y a aussi Adia André qui est bien aimée de tous les Guinéens. Ouais. Mais elle fait partie, en tout cas, des premières dames qui ont retenu en tout cas. Ouais. Qui restent adulées par le peuple de Guinée. Donc, voilà, bien admirées par le peuple de Guinée. Et nous pensons en tout cas que le peuple fera en sorte que les funérailles soient historiques.
que ce soit du côté de Cancan, ou même si la dépouille ne passe pas par Conakry, que ce soit du côté de Conakry. C'est une dame qui a sa fondation, qui est admirée par tout le peuple de Guinée. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est ce qui a été demandé par le professeur, le professeur Alpha Condé, c'est que ce CNRD se retire complètement de cette cérémonie. Le peuple s'en occupera totalement. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci, Monsieur Kramo Nabé, je rappelle, de la coordination RPG Arc-en-Ciel Europe. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci à vous aussi. Merci bien. Encore une fois, toute notre compassion.